Allô, donc on se retrouve finalement je dis de la merde dans la dernière vidéo. J'ai mis 15 ans à expliquer et finalement non, j'ai commencé par là. Donc on tombe sur Tingle. Car oui, dans ce Zelda, il y a Tingle. Il y a tout de toute façon dans ce Zelda, il y a pas les auras. Je crois pas. Voilà, donc lui il sape toujours son gros délire. Hein. De toute façon, Tingle, c'est pour moi, c'est simplement un mec bourré. Hein. Bon, c'est un mec qui se prend pour une fée, mais il suffit de voir son nez, ouais, vous avez compris quoi. Mince, j'avais oublié celui-là. Mais dégagez! C'est les pires, les top que ça. 150, mais elles sont trop nulles. T'en touches une et tu les tues toutes. Bon, on va y arriver. Ah, c'est un peu chiant parce que c'est difficile de le bloquer par rapport au. Voilà. Ok. On va aller à la ferme. C'est ici que vous pouvez farmer des fragments assez facilement en creusant le champ qu'il y a là. Ah, il est là. Je le cherchais. Donc ça c'est le frère de Tingle. Hein. Je sais pas s'il est présent dans les autres. Ouais, donc pour cette quête il faut absolument merde. Il faut absolument avoir un clone. Donc, vous pouvez le faire assez tôt dans le jeu. C'est quoi ce délire? Ah mais oui! C'est vrai qu'on est obligé d'utiliser tous les clones à chaque fois, j'oublie. Putain, c'est nul. Il faut que Link soit devant. Mais oui, c'est Dingle! Maintenant il y a Klingle. Alors, Klingle. Ah! Pas mal ça. Je savais pas qu'il pouvait me le dire. J'ai appris un truc là. Je sais plus combien il y en a exactement de fragments, mais il y en a un peu plus d'une centaine, je crois. 130, il me semble, un truc comme ça. Alors ils apparaissent pas tant qu'on n'a pas fait l'assemblage avec Tingle, hein, c'est pour ça. David Junior, bon, il s'appelle pas Jingle ou un truc comme ça. Faut
fallait que j'aille où après On va retourner Ouais, tu sais, la flûte. Bon, j'aurais peut-être dû lui parler pour voir ce qu'il dit. Non, c'est pas grave. J'aurais peut-être dû utiliser mes rubis aussi. Qu'il est là. Cool, c'est peut-être celui qui me manque. Comme ça, on va garder l'amulette de Dean. Semble le faire là. On le fera plus tard, ça c'est pour la quête des Gorons. Mais je préfère tout faire d'un coup, donc je vous montrerai là, à ce moment-là, sinon c'est le bordel. Donc la quête des Gorons, on peut pas le faire tout de suite parce que on peut pas la finir sans un objet qu'on a dans le prochain donjon. C'est pour ça que je vais pas le faire tout de suite. Voilà. Je préfère ça. Merde. C'est quand même un bon Zelda, hein. Il y a vraiment beaucoup beaucoup de contenu annexe. Par contre, l'histoire, enfin la quête principale est très courte. Parce qu'il n'y a que 4 donjons avant le donjon final, quoi. C'est vraiment pas énorme. Mais bon, après tous les fragments, les précis d'escrime, plus les quêtes annexes, les coquillages. Il y a quand même pas mal de trucs à débloquer, quoi. Je trouve que c'est le meilleur Zelda de. Le meilleur Zelda sur console portable pour moi. En contenu en tout cas. Après, bon, la nostalgie peut vous faire préférer d'autres Zelda, c'est sûr. C'est sûrement Link's Awakening pour beaucoup de gens. Et voilà, et on obtient le boomerang magique. Je montre. Non, je sais plus trop comment. Enfin, le truc c'est que
C'est un peu compliqué, mais. Le principal avantage, c'est pas qu'on puisse le contrôler, mais c'est qu'il va surtout beaucoup plus loin que l'autre, quoi. Ok, bon, bah, du coup, on va continuer le jeu. Où qu'on est, on était. Ah oui, là. Non, mais fallait pas aller à cette cascade en fait. Ouais, non, pas besoin. J'avais pas besoin d'aller là. Mais. Mais si, c'est là. Sinon, mais je suis bourré. Hein. Je sais ce que je fous là. Mais si, j'étais au bon endroit. Hein. Je crois que je perds du temps là. En fait, à force de jouer avec les bots, on a l'impression que Link est super lent. Voilà. Ok, donc on était dans le ciel. Et donc on va devoir faire pas mal d'assemblage de fragments pour... bah pour aller dans le plus haut dans le ciel. Vous allez voir ça. Et de là. Là, on va s'équiper du mangue. C'est une phase assez sympa. Alors des fois en grattant les trucs là, vous pourrez trouver des... Vous pourrez trouver des fragments. Alors si vous avez le choix entre voler et... Quoi, il y a un faux 5. Entre voler et... Et tomber dans le trou parce que de toute façon on pourrait remonter. Voilà. Après je connais pas par cœur l'emplacement de chaque truc. On va essayer de faire ça bien quand même. Ah ouais, faut les toucher que deux fois. Le problème c'est qu'ils sont assez rapides quand même. On va essayer de faire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. D'ailleurs, là donc faudra que j'aille à gauche. On va devoir commencer par. Ouais, bon, c'est pas trop dans l'ordre, tant pis. Ah ouais, faut savoir que on a plus besoin de bouclier quand vous avez ça. Il suffit de lui aspirer son nuage. C'est pas le bon. On va aller plus en haut à gauche du coup. Si on peut. Parce que c'est assez chiant à manipuler le. Quand on est comme ça là.
On dirait pas, hein, mais c'est pas très précis. D'escrime. Non, je rigole. Tac. Hop. On va regarder ce qu'il y a par là. Alors, à quoi il ressemble celui-là? Je crois que c'est celui qui me manquait. Hein. Alors voilà pourquoi il fallait dépenser ces coquages avant de venir ici. Parce que vous allez en récupérer une tonne. Et alors, petit indice, les. Comment ça s'appelle les petits trucs qui volent là, les. Non, je m'en rappelle plus. Peu importe. C'est des. L'indice, c'est que, en fait, ils sont placés vers là où sont les fragments assemblés. Donc là, on a pris le fragment qu'il y avait en haut à gauche et ça a allumé celui d'en haut à gauche. Quoi. Enfin, allumé, c'est pas le terme, mais vous avez compris le délire. Tac. Je regarde juste un truc. Non, il y avait rien. Je regardais s'il y avait un truc au-dessus de moi. Est-ce que j'ai loupé un truc? Non. Mais après ça va aller. On peut faire ça. Ah d'accord. Décidément. Vraiment trop fort le moment. Hein. Je pensais qu'on pouvait les battre qu'avec le bouclier ou en la raspant le nuage. Ok, donc il m'en reste que deux à droite du coup. Après c'est parce que les trucs sont à droite. Que ça veut dire que les fragments sont à droite aussi. La première fois que je l'ai fait, j'avais mis super longtemps parce que je ratais pas de tourner en rond. Merde. C'était pas volontaire. On descend. Il va finir par vomir, hein, Link, ça continue. Ah voilà. Donc là ça veut dire qu'il faut battre les. Putain. Double kill. Ok, je les ai tous. Du coup, il ne manque plus qu'à les assembler. Où est-ce qu'on est là? Ah oui, d'accord. Bah, il doit y avoir un truc à droite là. À gauche, pardon. Non, j'étais déjà venu là. Ah bah oui. Non, c'est dans le trou là que je peux aller. Enfin, dans le trou, dans le. Où est-ce que je veux dire? À droite du grand trou là. Je sais pas si je peux l'atteindre d'ici, je crois pas, mais. On va essayer. Si ça marche. T'aurais peut-être dû prendre l'autre. Ouais, c'est pas par là que je voulais aller. Je suis déjà venu là, hein. Ouais. Je suis où là? Je
sais pas si je suis allé tout à droite. Si, je pense. Donc c'est juste en dessous. Ah les bâtards. Ouais, donc je suis obligé de passer par... J'ai oublié de passer par en bas. On va d'abord essayer d'aller tout en haut à droite. Quoique c'est pas là d'où je viens ça. Si, c'est là d'où je viens. Bon, donc c'est par là qu'il faut aller. Je peux pas le prendre ça si. Non. Donc faut venir d'en bas. C'est pas pratique. Hein. On va commencer par aller là. Ah, il est là. Ouais. Il y en a un tout en haut à droite. Je crois que je l'ai pris celui de tout en haut à droite. Ouais. Je vais juste vérifier que je suis allé tout en haut à droite ici. Je crois que oui, mais. On est tout en haut à droite là. Ouais. Ok, donc faut passer par en bas, on a dit. Ah bah non, mais je suis d'aller là. Ah mais non, mais ça c'est pas le bon celui-là. Je m'en rendais pas compte quand j'étais à côté de l'éolienne. Ouais, donc il y en a un plus en bas à droite que celui-là normalement. Attends. 1, 2, 3, 4, 5, ouais ça. Et juste un peu en bas à droite. C'est pas le truc du milieu alors. Y'a quoi là? Mais y'a rien là en fait. Donc il est plus en bas. Je crois que je suis obligé de faire tout le tour. Ouais. Ouais, je suis obligé. En deux, je me perds un peu, mais ça va. Hein. Ça aurait pu être beaucoup plus long que ça. Alors la première fois que j'ai fait la vidéo, parce que je vous l'avais dit, hein, j'ai recommencé 4 vidéos. Celle-là, c'est la troisième que je recommence. La plus suivante sera la quatrième, et après sera bon. J'avais mis beaucoup plus longtemps que ça. Ouais, mais j'ai fait le con là, fallait pas aller là. Mais merde. Bon, bah on recommence. Donc normalement il faut aller tout à gauche, tout en bas à gauche, enfin le plus en bas à gauche possible. Parce qu'on a dit qu'on pouvait pas aller à gauche là, enfin en bas. On peut pas rentrer par le haut. Eh mais attends, on pouvait peut-être pas rentrer par la droite là, non? Non, je pense pas. Merde, vite. On tient pas très longtemps avec Xelo. On dirait une anecdote sexuelle sur la vie d'Exelo. Mais c'est pas ça. Putain mais... J'suis perdu. J'suis perdu là. Ok. En fait c'est compliqué parce qu'il y a deux niveaux et... on sait jamais trop où on est. Merde. Ouais, fallait tout en bas à droite d'abord. Mais j'étais tout en bas à droite, non? Il me semblait. Voilà, là je suis tout en bas là. Donc on va aller tout à droite. Vous devez vous dire, mais qu'est-ce qu'il fout? Putain, c'est pourtant simple. Mais c'est toujours plus simple quand on regarde. Donc.
Putain, c'est pas possible, je dois louper quelque chose. Mais non. Attends. Si, c'est ça. Ah, c'est vicieux quand même. Ça aussi c'est vicieux. Il s'est jeté tout seul, hein. Ah oui, voilà, c'est ça. Ok, on y est arrivé. Mais non, ça servait à rien, mais c'est quoi ce délire? Putain de merde! C'était pas le bon endroit. Ok, bah alors ça devait être le trou qu'il y avait juste avant alors. Ça devait être là. Dis-moi que c'est là parce que sinon je suis perdu. Ok, c'est bon. Voilà! Ah, mais c'était facile. C'est pour allonger un peu les vidéos sinon elles sont trop courtes. C'est bon. Oh bah ça va, la vidéo est pas si longue que ça. Ça c'est totalement illogique, hein, ce qui vient de se passer. Si vous regardez, elles tournent toutes les deux dans le même sens. Mais si le vent il tourne comme ça dans le sens des aiguilles d'une montre, ça devrait les entraîner. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'est de la merde, voilà. Ouais, c'est bien expliqué comme ça. Alors, du coup, comment on retourne là-bas? Enfin, je crois que j'ai pris le pire truc à la fin, là. Bah, c'est tout en bas, ça. Hein. Tout en bas... Ah, mais on peut pas remonter par là. Oh là là, ça va être chiant. Ça va être chiant de retourner de l'autre côté. S'il y a un truc qu'il n'y a pas dans Zelda, c'est le grappin. Y'a pas le grappin du coup Attendez, je suis un peu perdu là. Faut que je retourne tout en bas à gauche, hein, c'est bien ça. Je suis plus trop sûr là. Je me rappelle plus où faut aller. Je suis grave. Oh là là. Qu'est-ce que je fous? Attends. Mais il est où le... C'est où déjà? On avait dit que le truc en bas à droite, ça... Ouais bon, logiquement... Je me rappelle plus d'où on vient en fait, pour retourner à la tornade. Ça, j'ai réussi l'énigme pas trop durement, mais après je fais n'importe quoi. Allez, on va peut-être faire une vidéo de 45 minutes là. Mais non, mais... C'est pour ça que j'aurais dû commencer par faire ça avant la quête de Tingle, mais bon. Attends, mais c'est quoi ce délire? Putain, mais c'est d'où qu'on vient? Mais non! Ah, fallait pas que j'aille là. Bon, désolé pour ce contre-temps de merde là. Attends, mais pourquoi je m'emmerde moi en fait? Thank you.
ça sera plus rapide. Tu fais bolosser par les ennemis les plus nuls du jeu. Voilà. Attends, non, je regarde quand même. Je regarde quand même où est-ce que c'était. Ah oui, c'était au milieu, ok. Putain. Ah bah oui, c'est logique. Parce que tous les trucs sont autour. Bon, bref. C'est pas grave. Voilà, maintenant on peut revenir là quand on veut. Alors ce bâtiment, on l'a déjà visité, hein, puisque on l'avait visité lors de... de la petite quête là que je vous ai dit qui fait un truc irréversible. On va rappeler avec ce téléporteur là. Voilà. Ils connaissent les éléments, hein, bizarrement. Et voilà, et du coup il y a lui qui est sauvé. Et c'est comme ça qu'on a l'arc de lumière. Hey! Guest. Et en fait ce grand-père là, si on fait pas la quête là avant de venir ici, dans l'histoire, et ben il est tout simplement mort. Enfin, vous arrivez, il n'y a personne en fait. C'est vrai que c'est un peu bâtard parce qu'au final, à chaque fois on fait des assemblements, enfin des assemblages de fragments, et puis en fait c'est tout pour nous quoi. Et les autres sont là, ouais, fragment du bonheur, trop bien. Mais pourquoi y a rien? Je l'avais obtenu de mon grand-père qui est mort. Y a pas mal de fragments dans cette maison, c'est ça qui est cool. La force. Tortor. Ça sent le monstre. Ah non. C'est un très bon présage pour moi, en effet. Et voilà, nous arrivons
au palais du vent avant d'arriver au donjon du jeu. Et on peut tomber, hein. Eh ben, je vous dis à la prochaine. Bye.